Voici la remontée mécanique la plus éphémère de l'histoire. Un téléautoski rapide peut les enlever vers la crête du Panéron. À nous les belles descentes. Nous sommes sur les pentes du col de Vars, juste avant la guerre. Il a fait l'hiver 37-38, l'hiver 38-39. En 39, déclaration de guerre, il y a des câbles, le moteur des deux traîneaux qui ont de la valeur. Donc on démonte tout ça en pensant le mettre en sécurité. Et en fait, ça a quand même été pillé. Et donc ce qu'il en reste est vendu en 49 après-guerre. Et on n'a jamais refait de téléautoski. Le vrai boom des remontes-pentes arrive dans les années 60 avec l'émergence des stations de sport d'hiver. À Orcières-Merlette, le maire de l'époque avait déjà bien saisi l'intérêt. Le seul moyen de maintenir la vie et de créer une activité économique dans les zones de montagne, c'est de planter des pylônes. C'est la seule agriculture valable, c'est la plantation des pylônes. Un dur labeur dont les anciens se souviennent encore. On construisait d'abord une ligne avec des poteaux en bois, une fausse ligne. On montait les socles en béton et après on montait les pylônes en morceaux et on les boulonnait sur place. Maintenant on arrive avec un hélicoptère, et oui, le morceau est pendu dessous, et on le pose directement sur le socle. En une après-midi, on dresse un télésiège qui fait 3 ou 4 km de long. Et avant, il fallait plus d'une année pour le faire. Aujourd'hui, entre les stations, c'est un peu la course à la modernisation. Fin 2018, aux Ors, ce télésiège débrayable dernière génération vient remplacer un ancien téléski. Un investissement de 8 millions d'euros. C'est un télésiège qui est à la fois rapide, puisqu'il transporte nos clients à plus de 6 mètres secondes, donc plus de 36 km/h, très confortable. Pas de vibration, en termes de sécurité, beaucoup d'évolution. Les garde-corps, donc, ce qui permet de sécuriser une fois assis, se ferment automatiquement. En 1960, l'urgence était au développement des remontées mécaniques. À la fin des années 80, c'est le manque de neige qui concentre toutes les attentions. Parmi les premiers à s'équiper, Ancel, située à 1300 mètres d'altitude. Pour lutter contre les caprices du temps, la station a décidé de s'équiper en canons à neige. Les travaux ont débuté en mai et début décembre, c'est près d'un tiers du domaine skiable, soit 3,7 km de pistes qui pourront être enneigées artificiellement. À l'époque, la petite station au Alpine est une pionnière en la matière. C'est la première installation en France qui en fait mélange sur une installation informatisée des enneigeurs ventilateurs et des enneigeurs perches. Les deux ensemble en fait, nous ont permis de faire fonctionner une remontée mécanique en entier sans avoir de problématique de enneiger un bas de domaine et de peut-être ne pas avoir le haut du domaine enneigé. De nos jours, les avancées technologiques permettent de préparer les domaines skiables dès le mois de novembre, comme ici dans le Dévoluy. C'est des enneigeurs qui produisent beaucoup plus que ce qu'on faisait avant, sur les enneigeurs qu'il y avait avant, en consommant beaucoup moins d'électricité et en optimisant la moindre goutte d'eau. On essaie d'utiliser ces plages de froid afin de produire le maximum en très très peu de temps. Avec les hivers de plus en plus doux, la production de neige de culture devient indispensable. Une station comme Céuse vient définitivement de fermer ses portes, faute d'avoir investi dans des enneigeurs.